L'autre temps fort de cette édition, dans le quartier de la Cimenterie, ici à Conakry, un nouveau-né serait venu au monde avec des chapelets autour de son corps. L'affaire fait beaucoup de bruit dans la banlieue de Conakry. La mère de cette petite fille aurait accouché seule sans aucune assistance. Vous allez le voir, c'est miraculé. Suivez son reportage de Adèle Camara. Cette petite fille de 3 semaines serait née avec des boules en forme de chapelet autour du corps. Après 13 mois de grossesse, la mère de l'enfant Mantine Camara a accouché sans l'assistance d'une matrone, nous a-t-elle confié. L'événement défraie actuellement la chronique et fait grand bruit dans le quartier d'Ansoumania, situé à la Cimenterie. Le matin, j'ai demandé à sa fille où est ma sœur. Elle m'a dit qu'elle avait accouché la veille. Je suis allée voir l'enfant. Étonnée, je lui ai demandé quel genre d'enfant as-tu mis au monde comme ça, avec tout son corps à enrouler de chapelet. Moi, j'ai même peur l'enfant, pour même pour prendre, j'ai peur. J'ai dit, l'enfant là, c'est pas un petit, l'enfant comme ça, quoi, qui est venu comme ça. Il faut que les patrons, on peut voir les gens pour montrer les gens complètement, quoi. Les grands crabocos, quoi. Roubiatou, c'est le prénom du bébé, un prénom qu'ils auraient choisi dans le Coran. Selon les informations recueillies auprès de la mère de l'enfant, la petite Roubi n'a pas encore reçu les premières toilettes. Des fois, je rêve que l'enfant est en train d'écrêner le chapelet. Quelquefois, elle me dit « Maman, n'aie pas peur de moi, je suis une personne. » Pour me laver, il faudrait réunir tous les grands karamokos de la ville. Anxieuse et perplexe autour de sa petite fille, Manti est obligée de lire quelques versets du Coran pour calmer les pleurs de son bébé. En tous les cas, nous n'avons pas pu toucher le bébé pour attester qu'il est né avec ce chapelet. Nous n'avons également pas rencontré de témoins pour nous infirmer ou confirmer que l'enfant est né avec ses parures. Le mystère est entier sur la provenance de ce chapelet. La mère, elle, reste inquiète de l'avenir de son bébé que personne n'ose encore approcher, même le village du quartier.